où t'en es dans ta préparation? Là pour l'instant la forme ça va, j'ai pas de soucis de santé, tout se passe bien, donc là c'est la grosse préparation, on va dire, pour les mondes, en gros les mondes du mois de septembre. Et entre temps il y aura le grand chelem à Rio au mois de mai, et puis le grand chelem à Moscou en juillet. C'est deux objectifs, on va dire, tournoi, entraînement. Mais sinon là la période en ce moment vraiment c'est préparation physique et technique. T'es pas trop. Enfin, est-ce que tu es déçu de ne pas faire les Europes? Déçu, non, parce que déjà c'était pas une surprise. On était au courant déjà depuis quelques mois que la fédération avait la volonté de mettre une équipe de jeunes. Et à partir du moment où ils nous ont assuré qu'on était au championnat du monde, je l'ai plus pris comme. La période des championnats d'Europe et de prépa des championnats d'Europe, que moi ça allait me servir à me préparer pour les tournois et pour les mondes. Donc c'est sûr que ça fait on va dire, si on y va pour faire le titre, ça fait un titre en moins, mais moi j'ai déjà gagné 4 fois les Europes, donc c'est pas non plus très grave. Et Rio, Moscou, c'est des objectifs de podium ou c'est uniquement de la préparation, de l'entraînement, du combat? Il y a quand même l'objectif de marquer des points, parce que le quota pour les Jeux il commence quand même sur ces tournois-là. Donc il y a l'objectif quand même de ramener un maximum de points en pensant au quota olympique. Maintenant le but c'est mettre en place le travail que je fais, et puis le réel objectif, ouais, c'est les mondes.